Numéro 2, tiens, tu peux appuyer sur le bouton rouge. C'est là? Ouais. Combien de temps? 2 secondes, 2-3 secondes. Voilà, ça y est, c'est bon. Qu'est-ce qui est indiqué comme chrono en bas? 01, 02, etc. 3h19. Ah, c'est ça, moi c'est pareil. Je peux démarrer les gars? Ok, alors attends, 1, 2, 3 caméras. On fait la synchro audio. 3, 2, 1. Je sais, ça explose les oreilles. Tu peux démarrer. Ok. Compteur noté, frein serré. Siège et ceinture, tout le monde est ok? Je suis pas encore attaché, mais c'est tout comme. Ok, magnéto sur off. Mixture. À fond, réchaud de carbu. À froid, l'essence. Et ouvert, on a vérifié. La radio est arrêtée. Les breakers, c'est ok. Donc la caméra, tu la tournes vers Joe en fait. Mm-hmm. Voilà. Et dès qu'on est en roulage et qu'on est sur le point d'attente, tu la mets trois quarts avant droit. Comme okay. Ça, on filme l'extérieur et c'est nickel. En plus de ça, tu as une grande responsabilité, tu es gestionnaire de la caméra. Magnéto. Sur Bose. Ok. Attention, personne autour, personne devant, personne derrière. On décolle. Allumé. Non, on démarre. Alternateur marche, lampe éteinte, on est sur zéro.
Ok, conservateur de cap, on est au 0,22 par là. Ok, 0,20, c'est ok. Altimètre en pied, c'est ce qu'on a dit. 1. Ok. Petit briefing, on va décoller en 10. Pas le décollage, on fait une altération, on tape sur la gauche pour éviter Bernay. En cas de panne avant le décollage, on s'arrête sur la piste. En cas de panne mineure après décollage, on fait un tour de piste, main gauche. Basse hauteur, on revient se poser sur la 10. En cas de panne majeure après le décollage, on a Bernay en face, donc c'est un pont. On devra chercher sur la gauche, un champ. On espère qu'il n'y aura pas de panne après décollage. Ok, on est prêt au départ. Tu veux que je tourne la caméra du coup? Ouais. Ouais, comme ça, c'est vite. Ok, ensuite. On va être sur un cap 200. On va être sur un cap au 100-120, on a dit. Donc là, t'as pris quoi comme pour un tournant suivant? Bonjour douche, Whisky Charlie. Charlie? Oui, j'ai joué là-bas un spectacle il n'y a pas longtemps. Ah. Ah mince. Hop là. J3, bel arrondi. De Fox Golf Sierra Bravo Papa. Bonjour. Personne en fuite. Fox DXM, c'est initial 10. Fox Bravo Papa, un DR400 au parking, deux personnes à bord. Nous dirigeons vers le point d'attente Alpha. Presque face au moins 15-2, à 10-15-2. Ouais, ok, ça marche. Et j'y remonte, je dirais qu'il est 20 degrés droite. Fox, bravo Zulu Lima, depuis piste 10, on décolle. C'est parti, les gars. Bah, Zulu Yankee, tu m'as reçu? Ta radio marche pas. La merde, j'ai pas que ça m'a rendu au papa des mains, c'est si au parc. Ok, la piste est la puissance est disponible. Paramètres d'enfer. NDXM, fin de montée initiale piste 10, je dégage par le sud en contournant Bernay, enfin l'est.
Banane actif, ok. On fait le décollage. Et je suis à 1500 pieds, je vais monter à 2500 pieds. 1 degré d'altération. Cap 070. Donc on salue Jean-François. Très sympa de le voir. Sympa de se rencontrer. Ouais, ouais. Bon, aujourd'hui, connaissance avec Damien, Thio, Christophe, Jean-François. Dans les gagnants. Tu parles d'une reprise, toi. Pardon? Tu parles d'une reprise. Ouais. Ça veut dire de faire mieux la prochaine fois. Allez, Bill. On rentre les volets. Bernet, Fox 8, X-ray, je quitte votre fréquence, mon vol à tous. Je passe avec Evreux. Oui, bon retour. Merci pour l'accueil, à bientôt, Fox 8, X-ray. Ok, il faut les rentrer, mixture c'est ok. On est toujours à fond, on est en montée, 1300. Oui, c'est Louis Yankee qui appelle. Non, c'est Papa Lima de Louis Yankee qui est moins ça. Non, il a pas de radio, pardon. Ok, mais est-ce que tu m'entends, moi, Papa Lima? Non, c'est bravo, papa, que oui, je te reçois 5 fois, clair. Merci, bien pris. Et Bernard, Fox Bravo X-ray, Zulu Lima, en fin de montée initiale, on quitte la fréquence, retour à Pontoise. Merci à tous, à bientôt. Oui, bon retour. Allez, on passe à 119.7, Évreux. Fox India Fox Vertical Whisky Charlie, 1900 pieds, destination de Bernec, en provenance de Chamonix. Évreux, les Fox Bravo X-ray Zulu Lima, bonjour. Les espaces aériens des drones ne sont pas actifs. Le transit est libre, excepté vertical terrain en dessous de 1000 pieds sol. Auto en formation sur 119.7. Et vos contrôles respect, c'est top actif. Dirige vers oui. 2500, on pense à l'air par je maintiens 2000 pieds à destination de Bernay et Diafox. Merci, Diafox, Fox, Fox, X-ray 2500. Donc là, Damien, tu vas voir le paysage de manière différente. Parce que du coup, on a le soleil dans le dos. Ok. Et tu vas voir que c'est carrément mieux. Enfin, comme pour n'importe quoi, hein. J'en apprécie d'autant plus, en fait. Ça marche. Non, ça vole. Ah. C'est normal que vous ne voyez pas entendu. Comme ça c'est bien, mais tu préfères ne pas avoir pas de moteur. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, en fait c'est pénible, tu rentres à la maison plus tard, Rudo. Ouais, belle aussi. Et on est Fox Zulu Lima, on fait route vers Whisky Charlie. On a visuel sur un avion dans 3 heures, sans s'opposer. Fox Papa Mike, en direction de Toshu, en sortie sud-est, à 3500 pieds, je quitte la fréquence, au revoir. Sortie sud-est. Sud 1900 pieds.
Foxy en direction de Bernay en provenance de Whisky Charlie. Je suis à 2000 pieds en montée 2200. Direction à 5 minutes de Whisky Charlie, 2030-2005. C'est bien pris, donc nous sur cette position, direction de Whisky Charlie, on maintient 5 minutes de Whisky. Donc il y a un avion qui arrive en face. Hein. C'est pas où. Plus haut, plus bas. Il est plus haut. On maintient sous les 2000 pieds, lui il monte. Ok. Là tu vois c'est très bien la radio, parce que là évidemment il y a un danger. Ah, ça turbule le bordel. Un peu. Exactement. On va monter tranquillement à notre île. On est bien devant Damien. Ah j'adore. Dans deux jours on va faire un petit exercice. Ouais. Je fais semblant de tomber dans les pommes puis on va qu'on va y régir. Non par contre Damien. Ouais. On a 5 minutes devant nous, il n'y a pas de trafic, on sait que y a notre collègue qui est devant, je laisse un petit peu les commandes. Ok. Beaucoup de gestes un petit peu, tu vas voir, ça réagit bien. Ah ouais. On continue la montée ou pas? On peut continuer la montée, on peut continuer ouais, au moins jusqu'à 2200, facile. Donc on filme de la mise, Damien. Docteur. Et on est plus secoué que tout à l'heure, c'est normal. Hein. Damien en commande, tranquille. On est à 500 pieds minutes en montée, c'est très bien, on est à 2100. On va aller vers une altitude confortable. Voilà, faut penser un peu les coups dans l'avion. Ouais, mais j'ose pas trop en fait. Pas les 3000 pieds minutes quand même. On va pas y arriver. Non, il n'y a pas de danger. Non, c'est sûr. Encore que le champ 72, il... Enfin, tu me dis, ça dépend. Tant qu'on est un break à la patate. Bah, tu vois la grosse ville en face? Ouais. Notre point tournant, on va essayer de prendre à gauche. À gauche? Voilà, comme ça, on va passer entre les deux villes. Et après, nous, on remonte sur Évreux, c'est là-bas. Ok. Voilà, c'est très bien. Tu rages à gauche, tu restabilis. On va dire qu'à 2300, voilà, entre 2003 et 2004, c'est bien pris. Vu de l'eau à gauche, ils ont planté. On est travers Whisky Charlie, on va prendre une directe verticale des installations d'Evreux.
information pour Zulu Lima. La fréquence est retour de raison. Donc on continue sur 77. C'est bien pris pour Zulu Lima. On est à 2 minutes de Whisky Charlie. On est à 2400 pieds. Donc on essaie de vous trouver et on reste sur la fréquence. Alors on est vraiment en travers Whisky Charlie pour l'instant. Attention, il y a une grosse dégueulante et un coup de pompe aspirante à l'approche de Whisky Charlie. On a noté, on est un peu secoué aussi. Ouais, c'est ça, ça passe après une fois qu'on est sur le front. Écoutez, on est travers bande 3000 pieds, QNH, je vais quitter la fond, quitter la fréquence, au revoir, bon vol à tous. Bon vol. On est moins secoué là. Ouais, on est tellement mieux. Non, mais je veux dire, l'ambulance tout à l'heure. L'ambulance, on peut rien faire, hein. On en prend 4. On est pas mal là, non? Là, on est très bien. Là, on est pile poil. Perf toujours une vie X-ray. Donc, quand un avion va dans le même sens, on le voit jamais. Hein. Pour une vie X-ray, à 2002, montée, on va essayer de remonter à 2005. Et on est derrière à 2003, on n'a pas visuel, bon on cherche. Vous avez passé aussi Charlie, vous avez pris le nouveau cap ou pas? On est travers gauche des Whisky Charlie, on est en train de changer de cap. Ok, donc on doit être à 30 secondes pied de vous, on a déjà changé de cap au 93 pour les exercices aériens. On est même à 10 de vous pour l'instant. Ralentir un tout petit peu pour qu'on le laisse prendre un peu de large. Les trucs qu'on voit à gauche alors? Ouais, c'est voilà. Donc tu vas pouvoir tranquillement aller chercher un cap à droite de la ville. Okay. Tu peux tourner tranquillement. Vers le sud d'Evreux pour assurer, on a ralenti un peu la vitesse pour laisser un peu de séparation avec Kiki X-ray. On est à 2300 pieds. Fait reçu, on est à 2007 pour Kiki X-ray. Ouais, tout droit. On ne voit pas l'enfoiré. Hein. Ouais, tu vois, on va viser le champ jaune qui est en face là. Tu vois comme quoi un avion peut être proche et tu vois pas quoi. Quelque part par là, mais... Ça, c'est Damien qui prend les commandes et il se met en mode chasseur. Alors là, je comprends pas. Comment ça? On est en train de le chasser là. On est en train de chasser un avion. C'est fou ça. Bon, les missiles, c'est... je te laisse gérer. Bah, moi je connais le F-16, hein. Je connais pas le Cessna. Bon, t'as vu, ça se pilote tout seul. Ouais, ouais. Franchement, un avion, ça se pilote tout seul. Bon, information pour Zulu Lima, faut-il décrire, on vient de passer la limite de la CTR. Ok, c'est bien pris, on doit être 8 minutes derrière. Reçu. Bon, tu me guideras bien, Joe, sur ce que tu fais, pour me dire où il est, à quel moment il est, parce que je vois rien, évidemment. Ouais. On tourne Évreux par la droite et on va faire un vertical dans l'axe de centre. Voilà, c'est ça. Donc là, on va contourner Évreux et on va remonter. D'accord. La base, elle est derrière. C'est d'accord. Pas où. En altitude, un peu. Ouais, c'est... Quand on est au-dessus de 2000, il n'y a pas de danger, mais tu peux monter un petit peu, effectivement. Patate. Pour t'aider. Et donc, grand info, Fox India X-ray, à 3 minutes de la verticale terrain, on rappellera verticale terrain, et on poursuivra notre route vers Pontoise.
à 2700 QNH, c'est ça. C'est bien pris, et Fox Zulu Lima, on pénètre la verticale de la CTR, on est à 2200 pieds QNH. Techniquement, on pénètre pas la CTR, parce que la CTR, elle s'arrête à 1500. Donc, Évreux à gauche. Ah oui. Évreux à gauche, en fait, est juste derrière, à la base, mais je crois que le grand terrain dégagé, il est là. On va monter encore un petit peu, on va aller monter à 2005. Ok. Avec un peu de puissance, ça va t'aider, rien, ça va monter quasiment tout seul. Ok, on voit la piste sur le travers gauche. Ah ok, j'ai compris, ouais. Donc la ville, derrière il y a la piste. Bon, maintenant ce que tu peux faire aussi, Joe, si tu le sens mieux comme ça, mets bien à droite et moi je filme en main, main gauche. Hein. Ça peut te faire aussi, hein. C'est toi qui vois lequel est le mieux pour toi. Ah, c'est sûr que c'est mieux de passer à droite parce qu'à gauche on est vraiment collé à la ville. Ok, très bien, on fait comme ça alors. On va toucher le 5, on va bientôt. Ouais, on... hop, on baisse un peu le nez. Et donc Évreux, Fox ACX, on est à 30 secondes de la verticale de terrain, à 2600 QNH 1020 dans l'axe 04, on rappelle en sortie de circuit Évreux. Je sais pas ce qu'ils doivent être là quand même. Donc on continue, eux ils vont pas direct dessus. Quand tu vas voir la piste, tranquillement tu vas faire un virage, je vais t'aider. Ok. Continue de les chercher. Ah, je regarde aussi, pas de vie. À droite de la piste. Ouais. Donc faut se placer en gros à 500 mètres à droite pour qu'on puisse bien avoir et la filmer surtout. Ouais, toi t'as la piste à droite, après t'as l'espèce de les bâtiments là, on va passer à droite. La pédage derrière, on va passer à droite aussi. Ça marche. Heureux Fox Index, vertical des installations, je prends ma route vers Pontoise. Et Fox Zulu Lima, on est bientôt dans l'axe de la piste, on va la passer à droite, on est à 2600 pieds, on n'a pas de visuel sur vous, mais on surveille. Ok, l'agent de sous, je dirais, on va tourner. Des avions quand même, hein. Il y a du monde, ouais.
Non, c'est sympa ces parkings là en étoile. Donc là des fois il y a... Non, c'est pas Air Force One mais c'est l'avion de la prise de pouvoir là. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Ça va dire jusqu'à 330 je crois. Ouais, il y a quelques avions là. Ouais, à gauche là-bas il y en avait. Mais bon, il n'y a aucune activité. Hein. Bon, ben c'est la première fois que je vois une base militaire comme ça, moi. Bon, t'as vu, ce qui est bien, c'est que c'est tranquille hein, pour passer. Bon, t'as dit quoi? Pas entendu. Moi non plus. Pas compris. Travers droit, piste 04 d'Evreux à 2300 pieds et on reprend notre route en direction de Pontoise. Fox, direction des travers Méni à 2300 pieds. Et on revoit Éco-Novembre là-bas. Fox, India Fox, bonjour. Fox, Hotel Delta India Fox, DR 400 provenance de Vernet à destination de Chavenay à 5 minutes de Whisky Charlie. Actuellement 2000 pieds. Ok, derrière. Alors, tout à l'heure on était à l'autre bout là-bas. Ouais, on était là-bas, ouais. Bon, les falaises là-bas. Et quoi? Les falaises qui sont là-bas. Ouais. Ah bah on était là-bas. Ouais, les châteaux Gaillard. Là, on revient un peu par le sud de... Hein? Bon, les petites voitures. C'est sûr que naviguer au GPS, c'est une révolution. Ah ben oui. Hein. D'abord, on note quand même qu'on est à Évreux et tout, 16h40, on est passé. Et c'est vraiment la sécurité, puisque sinon... on a tout sous les yeux. Il faut quand même garder un contact avec la carte, si jamais... Allez. Évreux Info, ah. Fox, India X-ray, on est travers Passy sur Eure, dans l'est du côté de Eco-Eco. En 2500 pieds, QNH 1020, on quitte la zone et on va quitter votre fréquence. A bientôt, Fox, India X-ray, on va passer sur Pompe. C'est copié, on est 2 minutes derrière Zulujima. On va commencer à monitorer Pompe. Pompe. 134-150, vas-y. 134? Ouais. 150. Monitoring, clavier. X-ray, c'est la 172 de personnes à bord. En provenance de Vernet à destination de Pontoise. On est à 5-7 minutes de vos eaux. On sait que vos zones sont actives, donc on écoute ce qui se passe. Et on va en bifurquer un petit peu sur le sud pour retrouver Pontoise. Merci pour l'info trafic, alors vous pouvez passer, il y a un trafic planeur et pas d'activité voltige, mais ouvrez l'œil, il y a des planeurs en vol à tous les niveaux. Super, merci beaucoup, bah, écoutez, on écoute les oreilles, on ouvre les yeux et on se rappelle à 2-3 minutes de l'article de votre désertation. Oui, il y a des planeurs devant quoi. Ouais. Donc là voilà, on est en train de sortir de la zone. On va faire pareil, on va s'annoncer, on va quitter, on va passer sur un pente. Et moi le Fox Zulujima, on quitte la zone secteur est en direction de Pontoise. Bon après-midi à tous. Vas-y là. Ouais. On va enlever le monitoring, là ils sont 34-50. On peut faire aussi c'est faire. 11.6 c'est le bord de Pontoise, clac, on l'a affiché là, comme ça, on va chercher notre cab, voilà. On sait que pour aller tout droit à Pontoise, voilà, cab 80, on n'est pas très loin. Ok. Donc on a Verdon à gauche. Voilà. On voulait faire un tout droit à Pontoise, on ferait cap 80, on dirait tout droit. De Fox Bravo, il serait Zulujima
5 minutes des installations. D'accord. La grosse vigilance sur les planeurs. Tout droit, tout au fond, la défense. Bon, et on voit à gauche, là-bas, la zone de Mantes. On voit les falaises à gauche, Damien? Oui. Bon, non, pas à gauche, là-bas, à gauche, sur les avants, à 11h. Ah, ouais. Donc ouais. Le terrain, il est sur les falaises à gauche à 11h. D'accord. Okay. Il est au-dessus? Au-dessus, voilà, au-dessus à gauche. En gros, tu prends l'arc de cercle de la Seine, là, le ouais. Méandre, tu prends la moitié du méandre, et le terrain derrière. Ok. Et bon, Fox India X-Ray, on est à 2400, on va baisser un petit peu à 2000. Et on est en visuel de vos installations, à, je dirais à 3 minutes à peu près. Oui, c'est copié. Alors je sais pas qui parle quand il y a quelqu'un, je sais pas si on peut mettre quelqu'un au sol qui assure ou... Normalement, ouais, quand il y a un treuil, ouais. D'accord. Et en général, elle demande le silence quand elle a commencé la manœuvre. D'accord. On a ça à Coulommiers. Il y a un grand aéroport à droite ou pas? À droite, non. Non, donc pourquoi tu vois quoi? J'avais l'impression de voir quatre petites lumières comme des papilles. Bah, pff, non, parce qu'à droite il y a Dreux, mais c'est loin, c'est une piste en herbe, non, rien. Okay. Ah, là-bas, là? Ouais. Ouais, je les vois là, à côté de... sous un bras de Seine. Ouais, je sais pas si c'est un bras de Seine. Non, mais le papy, ce serait beaucoup plus petit. Okay. Pas ce que ça peut être. Donc, monte la jolie en face. Donc, en dessous, on a des petits villages. On a la Seine qui remonte à gauche. Là, je crois que ça s'appelle Bonnières, le patelin qui est en dessous. Et tu remontes à mi-distance par rapport au... Ah bah d'ailleurs on voit peut-être... Un avion. Ah ouais, un avion déjà, ouais. Putain. Et on voit Château... pardon, Château... La Roche-Guyon. Fox India X-Ray, on est à travers la Roche-Guyon à 1700 et on continue vers Whisky de Pontoise. On va donc contourner vos verticales par le sud. Alors attends, la Roche-Guyon, c'est où exactement? C'est à gauche là-bas. Là où tu vois le... les 2-3 morceaux de flotte là-bas. D'accord. À gauche, t'as une grosse... ouais bah c'est ça. Prends la Seine qui remonte, avant on est en... pas la Seine. Elle disparaît, tu sais. Quand elle a l'impression qu'elle disparaît à droite, juste à gauche, t'as tout un groupe de bâtiments. Tout à fait. Ben c'est ça, Château-Guyon. D'accord. Et on y envoie en de manière surélevée, pour en ruine. Ok, enfin, ouais. Qui est au-dessus. Ouais, j'ai visuel. Et donc là, on a Mantes-la-Jolie et les deux cheminées, la centrale de Porcheville, et c'est Sierra Whisky de Pontoise. Ok. Moi, Sierra Whisky. On survole habituellement. Là, on va aller Sierra Whisky direct. Ouais, donc Mantes est là-haut, normalement, bon, on ouvre bien l'œil. Ah hein. Là, on est tranquille, là. Mais bon. Donc, et le terrain de Mantes est quelque part sur le côté droit. On a du jaune, du vert et du marron. Et là, les installations de Mantes sont à droite du marron, on voit les bâtiments. Oui, mais c'est pas très en l'air, maintenant. Ah ouais. Je vois quelqu'un qui est en train d'atterrir. Après le décollage. Un Kilo Yankee décollage 12 avec Banner. Donc un petit coucou. Par ici aussi, je connais quelqu'un. Bah ouais. Normalement, on devrait venir randonner par ici dans pas longtemps. Voilà, travers gauche, Château-Guyon. C'est à gauche, là. Ouais, visuel, ouais. Bon, alors, au caméscope, bof. Ouais, bah, c'est sûr. Tel que les yeux. Donc, ouais, il y a la boucle de Seine, bon, il est juste derrière. En fait, il y a la grande tour, il est juste avant, pour la gauche. Voilà. Derrière à droite, là devant le Haut-Ban. Devant, à droite devant le Haut-Ban, il y a le terrain de Mantes. On est dans l'axe de la piste. QNH 10 19 Sunset Time 1834 UTC. Have first contact yet for Pontoise, touch, I've received information. Foxtrot. Fox.
Aussi pour toi d'information, Fox enregistré à 14h14 UTC, prévoyé guidage radar rapproché, S-X-ray, piste 05. Piste 05 en service, prévoyé départ de la fenêtre, piste 05. Code d'état piste 666, piste sèche. Niveau de transition 6-0. Attention, parking nord fermé. Activité vélibol à Mantes, activité voltige à Persan, activité aéromodélisme à Averne, 1000 pieds max. Vent 160 degrés, 7 nœuds. Temps présent cavoqué, température plus 14, point de rosée plus 0. Québec dans l'hôtel 1019, coucher du soleil 18h34 UTC. Au premier contact après la Pontoise, que vous avez reçu l'information Fox. Good afternoon, c'est Pontoise. Ok, on a l'information Fox à Pontoise. On prépare l'approche en 18800. On est à 2 minutes de l'entrée, on va dire avant qu'on quitte. À devant. Bande de Fox Zulu Lima en direction de Pontoise. On est secteur sud du terrain, on est 2600 pieds. Et on quitte la fréquence pour passer avec Pontoise. Avion de Fox. Ouais, de Fox Nexa, on quitte également la fréquence. Merci pour l'accueil. Fox Nexa. Bah, faut faire gaffe, bah, eux on les voit pas. Hein. Ouais, t'as 2000 pieds. Ouais, mais je l'ai même pas vu. Non, bah non, ils arrivent par là, ils arrivent de partout là. Si, c'est la zone de la mort. Ok. Pas de approche, bonjour. Décollage, montez dans l'axe 400 pieds pour retour Chavenay par le sud-ouest, virage droit si possible. Fox Charlie Papa, Pontoise, bonjour. Confirmé indicatif. Confirmé type d'appareil, pardon, virage droit approuvé. DA 28, Fox Golf Lydia Charlie Papa, virage droit approuvé. Et votre terrain de destination ? Ah, Fox Papa X-ray, Fox Charlie Papa. Chamonix, vous m'avez dit, pardon. Affirme, Fox Charlie Papa. Reçu, donc virage droite approuvé, montez 2000 pieds pour la sortie, évitez la finale 05. Donc approuvé, on évite, approuvé pour 2000 pieds, virage droite, on évite la finale 05, Fox Charlie Papa. Fox India X-ray, contactez Pontoise Tour, 121, décimal 2, bonsoir. 121, décimal 2 avec la tour, merci, à bientôt, Fox India X-ray. Pontoise 2, Fox Bravo X-ray Zulu Lima, bonjour. Fox Bravo X-ray Zulu Lima, Pontoise, bonjour. Fox Bravo X-ray Zulu Lima, Cessna 172, 3 personnes à bord en provenance de Bernay à destination des installations. On est à quelques secondes de l'entrée de thème. Fox Zulu Lima, transpondeur 4230, identifié, rappelé entrée, rappelé whisky, 1500 pieds. Transpondeur 4230, vous pouvez répéter l'altitude à whisky. 1500 pieds, whisky, QNH 1018. On rappelle 1500 pieds à whisky 1018, c'est le Zulu Lima. Sacré vue sur Paris là. Pardon, sacré vue, ouais, ouais, on voit bien là. Donc là on est rentré dans Pontoise. Pontoise, Fox Golf India Yankee Lima. Bonjour. Fox Yankee Lima, Pontoise approche, bonjour. En provenance de Compiègne, pour réalisation des bureaux, on souhaite un transit à 2000 pieds. Fox Yankee Lima. Yankee Lima, transpondeur 4230, identifié, transit approuvé, confirmé type d'appareil. Transpondeur 4230, transit approuvé, APA 28, 3 personnes à bord. Yankee Lima reçu, maintenez 2000 pieds et rappelez pour descendre sur les bureaux. On maintient à 2000 pieds et on rappelle pour descendre au bureau. Fox Yankee Lima. En 1095, LS de la piste. Pontoise, Fox Alpha Romeo, rebonjour. Fox Alpha Romeo, Pontoise, rebonjour. Fox Juliette Romeo, Alpha Romeo, un CTSW, deux personnes à bord. Golf en bas. Regardez le golf. Pour Persan, un transit à 2000 pieds. Fox Alpha Romeo, transpondeur 4230, le terrain de départ. Persan. Persan également, reçu Alpha Romeo, donc 42, correction 4231, et je vous rappelle identifié. Fox Alpha Romeo, 4231. Normal qu'on ait tous le même code transpondeur. 4231 lui a dit non. On a 4230. Okay. Bah, il y en avait un qui était 4230. Ouais, c'est possible. Sur les papas, en fait, si possible. Portez le mode S, ouais. Sur un wifi à 2000 pieds. Charlie Papa, approuvé. Approuvé, Charlie Papa. Il y a un Kilima, je crois, le 42. Ouais, c'est possible. Eux, ils se démerdent. Si on vient d'ailleurs, oui. Fox Zulu Lima,
121 décimal 2, bonne soirée. On contacte pour toi sur 121-200, merci, bonne soirée. Formation Fox, le roulage pour des tours de piste 05. Fox, India Alpha, laissez entrer un C. Vous êtes prêt à rouler immédiatement, India Alpha? Prêt à rouler immédiatement, Fox India Alpha. Je vais rouler un peu la tente Alpha, piste 05. Bonjour, je suis Fox Maxima, on est paré Alpha. India Alpha, roulez pour la tente Alpha, piste 05. Fox, bravo Victor India Alpha, roulez pour la tente Alpha, piste 05. Je roule au point d'arrêt Alpha, piste 05, Fox India Alpha. Fox X-ray Tango, laissez sortir un Cessna, X-ray Tango ignoré, poursuivez, roulez au parking. En final, Fox Delta Romeo, on poursuit X-ray Tango. D'où la piste Delta Romeo, piste 05, autorisé, touché, vent 130 degrés 7. En touche, Fox Delta Romeo. Pontoise de Fox, bravo X-ray Zulu Lima, bonjour. X-ray Zulu Lima, bonjour. Fox Bravo X-ray Zulu Lima, Cessna 172, 3 personnes à bord, provenance de Bernay à destination des installations, on est vertical whisky, 1530. Fox Zulu Lima, identifié, entrée base main gauche, piste 05, rappelez début de base. Base main gauche de 05, on rappelle début de base, Zulu Lima. Direct. T'as vu ça, Damien? Hein? La textilité à la radio? Ouais. Ah, la radio à Pontoise, c'est le nerf de la guerre, parce qu'il y a du monde. Et oui. Donc là, la piste, elle dit... Fox Maxima Alpha, on est paré au départ. Maxima, c'est copié, maintenez avant le point d'attente, je vous rappelle. 11h. Maxima, je me tiens avant le point d'attente. À droite, micro en gare blanc, et là, on va s'atterrir en base, direct fil. On a le... Ah, il y a un appareil là-bas, tiens. Il y a les souhaits. Presque en fin de vent arrière. Ah bah, à 11h moins 4. Ouais, je vois. Oui, moins le quart avant la base. Fox Zulu Lima numéro 3, trafic précédent, Cessna, début de base, rappelez final piste 05. Numéro 3, on a visuel sur la début de base de Zulu Lima. Zulu Delta, on est en finale 05. Fox Zulu Delta, piste 05, autorisé touché, vent 130 degrés 7. Autorisé touché, Zulu Delta 05. Fox, je m'en rappelle. Fox India Juliette, numéro 3, trafic précédent Cessna, s'intègre en longue base. Numéro 3, India Juliette. Fox India X-ray, finale 05. X-ray, poursuivez numéro 1. Signe d'extrait, piste 05, autorisé atterrissage en 140 degrés 8. On a autorisé atterrissage 05, Fox, signe d'extrait. Vous répétez les vents? 140 degrés, vide. Bon, super. Fox Zulu Delta, montez 1400. Zulu Delta, vous souhaitez monter quelle altitude? Zulu Delta, on souhaite remonter 1800 pieds pour retour à Persan. Je suis monté 1400 pieds initialement et contactez l'approche 118 décimal 8. On monte 1400 pieds et on contacte 118 décimal 8, Zulu Delta. Le Golf. Delta Romeo numéro 3, trafic précédent Cessna, début de vent arrière, appelé final piste 05. Ouais, numéro 3, Fox Delta Romeo, et ça sera complet.
pour les points DX-ray. DX-ray, poursuivez le roulage, dégagez Bravo et quittez au parc à Hispano, au revoir. On poursuit Bravo, on dégage au parc et on quitte Hispano. Merci monsieur, au revoir, Foxy DX-ray. Avec les mains intersection Alpha Niveau piste 05, attendez. 5 et ben, je m'aligne à intersection Alpha piste 05 et j'attends. Intersection Alpha Ligne au piste 05 et attendez. Je m'aligne piste 05 et je maintiens Foxtrot sur 1. Zulu Lima, dégagez Bravo, roule Hispano, quittez au parc, au revoir. On dégage Bravo, on roule au parc, merci, au revoir. Pontos Tour de Fox Golf Oscar Victor Charlie, bonjour. Victor Charlie, bonjour, passez votre message. Victor Charlie, donc c'est le HR200 pour quelques tours de piste, on arrive à Whisky. Bravo Sierra, piste 05, autorisé décollage, vent 170°1. Autorisé décollage, piste 05, Bravo Sierra. C'est Victor Charlie, identifié, entrée base main gauche, piste 05, rappelez début de base. Base main gauche, rappel début de base, Fox Victor Charlie. Pontoise de Fox India, Alpha prêt au départ. Signal Alpha, intersection Alpha, ligne ou piste 05, et attendez. Je m'aligne piste 05 et j'attends Fox India Alpha. Signal Alpha, piste 05, autorisé décollage, vent 170°8, trafic Cessna, monte initiale, tour de piste. Autorisé décollage, Fox India Alpha. Signal Juliette, numéro 1, départ en cours. Fox India Juliette, numéro 1. Fox Victor Charlie, vous pouvez sous le souhaiter converger directement vers la longue finale. Je crois qu'avec une finale directe, ça a été court. Fox Victor Charlie, on pose. Eh ouais. Victor Charlie, c'est reçu, on converge vers la finale 05. Bonne piste. Autorisé touché 160°9. Vas-y, déjà. L'armada des 172. Pardon ? L'armada des 172. Ouais. Le collègue. Ouais. Carmeau, vous avez viré en base ? Pas
Confirmant, début de base. Parfait. C'est Victor Charlie, numéro 3, trafic précédent, Cessna, début de base. Rappel final, piste 05. Numéro 3, on rappelle final 05, Victor Charlie. Ok, procédure d'arrêt. Ok, phare. Off. Ferré. Tour. Transpondeur. Et une synchro finale de sécurité. 17h10. Voilà. Oh l'autre, il a allongé son truc. Ah ouais. Tu peux éteindre la 3 lumière s'il te plaît. Attention, je recule le siège. Ok. Voilà, très bien. Alors, la position à l'avant? J'adore. T'adores? Encore mieux? Ouais, bah, j'aime bien les deux. Hein. Ouais. C'est qu'est-ce que je dis toujours? L'important, c'est de voler. Hop. Bon, ben voilà, le retour a été plus court. Encore que là, je vois 50 minutes et quelques, donc. Tu veux sortir avant ou je peux reculer un peu? Non, voilà, vas-y. Tu peux aller les jambes? Ouais, nickel. Hop, attention.